Donc, à la dernière séance, le dernier rapporteur, c'était le Sénégal en fait. Donc, maintenant, le premier rapporteur de notre action, ça va être le Togo. Premier rapporteur, les Togolais, consentez-vous de signer votre rapporteur. D'accord. Maintenant, le deuxième rapporteur, c'est le Burkina Faso. Par ordre alphabétique. Burkina Faso, pouvez nous désigner un deuxième rapporteur de notre rapport. Moi, je suis là. C'est elle. Volontaire désigné. Consensus. Volontaire désigné. C'est elle. Ok. D'accord. Donc, sur ce, nous allons passer à la démarche du rapport. En fait, on vous propose, si vous allez décider, est-ce que ça sera pas une page ou bien même par terre pour que ça nous dise. Ça vous devrait être sauf. Monsieur Pabouba, c'est même une question de lui. Quoi ton rapport? Ok, merci, madame la ministre. Le bureau ainsi constitué se compose du président Monsieur Thierry Augustin, premier rapporteur, Docteur Ouala, et deuxième rapporteur, Docteur Galé. Merci pour votre disponibilité. Nous allons commencer à lire le rapport. Comme vous avez dit, je le fais page par page. D'accord, donc ça c'est la page 4. Qui est intitulé rapport de synthèse. Premier atelier régional de formation aux formateurs du domaine de la médecine, en Amérique de la qualité. Aura lieu du 3 au 12 septembre, voilà, 2018. Donc, 2018. Je mets en même temps. Voilà, la madame Pierre Scotter. Septembre 2018. Ça, c'est la page de date. Introduction. La Commission de l'Union économique et monétaire va s'appliquer une fois à organiser du 3 au 12 septembre 2018 à Ouagadougou la première session de l'atelier de formation du domaine de la médecine en Amérique de la qualité à l'intention des établissements de l'enseignement supérieur du domaine de la santé de l'Union. L'objectif global de l'atelier est de contribuer à accroître le nombre d'experts en Amérique de la qualité et des citoyens qui développent la culture qualité au quotidien dans l'espace urbain. De façon spécifique, il vise à renforcer les connaissances des enseignants des établissements d'enseignement supérieur de la santé de l'Union en de la qualité, afin qu'ils soient capables de transférer cette connaissance à leurs étudiants. Pour la commission de l'UMOA, on prépare à l'atelier 14 enseignants du domaine de la santé, dont 8 du Burkina Faso, 2 du Niger, 2 du Sénégal et 2 du Togo. La liste de présence de la formation est bien annexe. Le présent rapport fait la synthèse de la formation et s'articule autour des points suivants. Cérémonie d'ouverture, déroulement des travaux, évaluation de la formation, recommandation des participants, cérémonie d'ouverture. Point 1, cérémonie d'ouverture. Oui, c'est page par page. Et donc, je crois que la première page. Oui, c'est ça, c'est la première. Juste sur la première, sur la deuxième page.
Dans son discours, M. Moukaré a d'abord rappelé les actions de la Commission en matière de protection de la qualité et les résultats obtenus, avant d'indiquer le but et l'importance de cet atelier et le renforcement des capacités des enseignants du supérieur des États membres. Il a ensuite rappelé le contenu de cette session. Enfin, il a exhorté les participants à s'impliquer dans cette formation afin qu'ils puissent l'implémenter dans leurs états respectifs. Le déroulement des travaux. Ces travaux ont été marqués par un cours théorique suivi d'échanges et d'exercices d'application. Les cours théoriques se sont articulés autour de modules de formation dont les thèmes sont relatifs aux généralités historiques et concepts de base de la qualité, aux principes de management, aux normes de management de la qualité, à l'image qualité, à la certification et à l'accréditation. La page d'introduction là. Oui. Ici. Voilà, toute la commission. Voilà. Je pense que ici, il faut préciser que la formation a été assurée par. Après les participants. Est-ce qu'il fait partie de ce qui est. Je crois que c'est une bombe. Oui, d'accord. Les principaux sujets abordés dans la démonstration, la certification,